Dans l'épisode du lundi 4 juillet 2022 d'ici tout commence, Antoine, Frédéric Diefenthal, et Clotilde, Elsa Launeguini, inventent auprès de Tessier, Emmanuel Baroche, ou Ambré, Claire Romain, étaient à l'Institut parce qu'elles servaient au doublat. Le directeur n'y croit pas mais il n'en démorde pas non plus. De leur côté, les élèves se demandent s'ils pourront finalement repasser leurs examens. Ils sont dépités. Souleymane, Dembo Camilo, et Axel, Thomas da Costa, essaient de leur remonter le moral et de trouver une autre solution. Ce dernier a une idée. Ambre et Claire vont l'exposer à Antoine, Maître Constance, Sabine Perrault, dans la confidence et qu'elle soit leur complice pour amener Tessier hors de l'Institut. Axel va parler à sa tante et lui raconte tout ce que les élèves manigancent, elle tombe des nues. Et accepte d'y réfléchir. Tessier va voir Ambre et fait tout pour la faire avouer mais elle ne craque pas. Il promet de ne pas cesser de les harceler jusqu'à ce qu'ils disent la vérité. Il croise ensuite Constance qui lui propose l'air de rien de partir 2 jours en amoureux. Il hésite, il lui parle de ses doutes quant aux élèves virés. Il sent que quelque chose se trame. Toutefois, il se laisse tenter. Constance va ensuite annoncer à Jasmine, Zoé Séverin, Deva, Cathy Pacanathan, Tom Darmon, et Ambre qu'ils vont finalement pouvoir passer les épreuves. Célia, Rebecca Benamour, regrette son comportement odieux avec Théo, Khaled Alouache, de la veille. Hortense, Catherine Davidzeka, lui conseille de mettre son ego de côté et de lui avouer qu'il lui manque. Celui-ci est déprimé, il se confie à Greg, Michael Mittelstadt, qui lui propose d'aller se changer les idées en buvant un verre. Ils sont interrompus par Célia. Elle s'excuse pour son attitude odieuse. Théo se montre froid et la repousse. Elle est triste et va chercher du réconfort auprès de ses grands-parents. Ceux-ci lui proposent de repartir de zéro, ailleurs. Ils lui annoncent également qu'ils veulent vendre les marais pour profiter et voyager. Célia les écoute et décide de prendre un nouveau départ. Rose, Clotilde et Louis votent dans Ici tout commence Louis, Fabien Wolfram, rappelle à Clotilde, Elsa Launeguini, qu'il attend qu'elle lui trouve un job à New York afin qu'il se joigne à elle contre le projet de master de Rose, Vanessa Demouy. Elle demande à Tessier des contacts mais il refuse d'aider Louis. Si Louis part, il craint que Charlène, Paula Petrenko, le suive. Clotilde est d'accord mais suggère que les jeunes gens ne se supporteront pas seuls tous les deux à l'étranger et romperont. Vu sous cet angle, Emmanuel accepte de faire jouer ses relations. Charlène est emballée par le master, elle voudrait apprendre à faire du design culinaire. Louis casse totalement l'idée, elle le prend très mal. Il file ensuite retrouver ses demi-sœurs pour voter pour ou contre la création du master. Contre toute attente, il se rallie à Rose. Clotilde est livide. À suivre dans Ici tout commence.